Sega. Salut tout le monde, c'est Monsieur X de SegaMac.com, accompagné de Miss SK, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, eh bien on va tester un jeu sur Game Gear. Alors le jeu qui va être testé sur Game Gear, ça va être Dr. Robotnik Ben Ben Machine, mais je tiens quand même à préciser que là, il y a aussi une version Master System par rapport au titre, et que la version Game Gear et Master System, c'est la même chose, à part un ou deux points qui changent, comme par exemple la résolution de l'écran, et la présentation, la façon de présenter un mode. Un mode de joueur en quelque sorte, hein. Alors pourquoi on avait décidé les filles et moi de faire Dr. Robotnik Madman Machine au lieu de faire par exemple sa licence dont le jeu en est tiré à la base, ou plutôt son concept, qui est Puyo Puyo? Ben en fait c'est tout simplement parce que il y a eu les gens en dehors du public japonais, en dehors du Japon, tout le monde connaît notamment Dr. Robotnik Ben Ben Machine, notamment sur la Mega Drive, dont on peut facilement trouver le jeu, notamment avec la cartouche de jeu Sonic Compilation. Donc ceux qui ont regardé ceux qui ont vu ma vidéo de collection des jeux Mega Drive ont pu voir que je possédais le jeu en complet, hein, avec dans la Sonic Compilation, eh bien il y avait le tout premier Sonic the Hedgehog, suivi du deuxième qui sortira l'année suivante, avec en troisième jeu Dr. Robotnik Ben Ben Machine. Alors on aurait pu le faire la version Mega Drive, parce que c'était facile, tout le monde la connaissait et tout, mais il faut savoir qu'il y a eu des versions 8 bits, et notamment sur la version Game Gear et Master System. C'est pour ça qu'après les filles et moi on avait décidé de pouvoir s'intéresser à cette version là, et puis ça suit un peu la logique des choses, hein. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que quand on fait un test d'un jeu connu, d'une liste d'un titre connu, on fait pas réellement la version qui est la plus connue de toutes, hein. On fait souvent la version Master System ou Game Gear. Avec par exemple, j'ai deux exemples en tête, avec Altered Best et puis Alien Storm, hein, parce que ce sont des versions qui méritaient quand même une attention, alors que tout le monde faisait des tests sur la version Mega Drive. En quelque sorte, c'est ça. Mais peut-être que Lémis et moi on fera un test sur la version Mega Drive de Ben Ben Machine. On n'en sait rien. Mais donc là pour l'instant on se concentre sur les versions 8 bits. Alors voilà, je le redis, Master System et Game Gear, c'est la même chose, mis à part une ou deux différences avec la résolution de l'écran et le nom du titre d'un mode qui change par rapport aux versions en elles-mêmes. Donc, Dr. Robotnik Ben Ben Machine, c'est une version occidentale d'un autre jeu qui existait déjà, notamment avec Puyo Puyo. Alors, avant de continuer un peu plus pour revenir à la avant de continuer sur la version occidentale de Puyo Puyo, il faut savoir que Puyo Puyo était une licence, une espèce de Tetris-like, qui a été créé par Compil, sorti sur borne d'arcade avant je sais plus en quelle année malheureusement, mais je sais que le jeu développé par le studio Compil a connu un énorme succès sur borne d'arcade et aura eu des adaptations sur différents supports à l'époque. Alors bien entendu, il y aura eu le Puyo Puyo 1 qui sortira uniquement qu'au Japon. Alors, il faut savoir que les Puyo Puyo, du moins les premiers, alors sur Mega Drive, ça c'est sûr,
On n'a pas Puyo Puyo sur Mega Drive en Europe. Ça reste uniquement qu'au Japon. Alors, il y a eu des adaptations aussi sur Super Nintendo, sur Game Boy, par rapport au premier. On sait aussi qu'il y aurait eu un deuxième épisode de Puyo Puyo qui sortira sur la Mega Drive et uniquement qu'au Japon aussi. Donc, si vous voulez obtenir ces jeux-là, bon, à moins d'avoir une Mega Drive japonaise ou switchée, il va falloir faire aussi de l'import, hein? Donc après les jeux Puyo Puyo, ça a été une licence qui a toujours continué, donc c'est le genre de jeu auquel c'est le genre de partie rapide auquel on fait un petit duel avec un collègue ou avec un adversaire qui dure pas longtemps et qui est assez rapide, et puis son système de jeu qui est quand même assez addictif, puisque le but du jeu consistera à faire en sorte de remplir le terrain de l'adversaire en lui foutant des pierres et en faisant en sorte de l'empêcher d'effectuer des combinaisons. Parce que il faut savoir que vous avez un terrain, votre terrain par exemple, et votre but est de virer des haricots ou des petits pois, suivant comment on le voit exactement, de les faire disparaître de manière à vider le terrain et toujours continuer à faire des points. Quand c'est le mode duel, quand c'est un duel contre l'adversaire humain ou contre l'ordinateur, eh bien voilà, empêcher l'adversaire d'effectuer des combinaisons en lui foutant des pierres qui l'empêcheront de pouvoir effectuer de faire qui l'empêcheront de pouvoir déclencher des combinaisons, parce que il faut savoir que plus vous effectuez de combinaisons d'affilée, plus vous allez envoyer de pierres chez l'adversaire, et la vague de pierres va quasiment bloquer la stratégie de votre adversaire. Parce que le but, c'est ça, c'est un jeu de réflexion qui demande à réfléchir très très vite, à agir très très vite. Voilà, c'est ça. On se dit, voilà, on va faire une combinaison avec telle ou telle couleur, on doit vite voir quelles seront les prochaines pièces qui vont apparaître, et après, par la suite, faire en sorte de pouvoir effectuer ces combinaisons en question, pour pouvoir après mieux s'en sortir et battre l'adversaire. Alors le jeu les studios Compile ont continué à développer plusieurs versions de Puyo Puyo jusqu'à ce que l'entreprise fasse un dépôt de bilan à partir de 2003. 2002-2003. Alors pourquoi on voit encore Puyo Puyo après la banqueroute de Compile du côté de chez Sega? Ben en fait c'est simple. L'entreprise Compile vers 2002-2003 avait fait un dépôt de bilan et Sega a quasiment racheté la licence complète de Puyo Puyo avec tous les droits qui allaient avec. Et c'est pour ça que des fois quand on voit par exemple des opus anniversaires, ben en fait on voit marqué édité par Sega. En fait Sega, c'est pas le créateur de la licence en elle-même. Actuellement, c'est le propriétaire et c'est la Sonic Team pour la plupart des épisodes qui gère justement chacun des épisodes de Puyo Puyo depuis le rachat des droits et de la licence de Compile. Donc là, il faut savoir que lorsque le jeu Dr. Robotnik Man-Man Machine, ça appartenait encore à Compile, hein, donc c'est pour ça. Alors, vous allez peut-être remarquer que le jeu sortira en fait chez nous en Europe en 94, mais aux États-Unis, puisque voilà, il est sorti aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, le jeu sortira pratiquement à la fin de l'année, vers novembre-décembre 93. C'est pour ça que quand on regarde l'écran titre du jeu, on verra 93 Compile, 93 Sega et compagnie. Alors que chez nous, il est sorti en 94, quelles que soient ses versions, notamment la version Mega Drive, la version Game Gear et la version Master System. Toutes sortiront en 94, tandis qu'après les premières, voilà, aux États-Unis, c'est voilà, c'est 93. Donc, alors pourquoi justement on a une version de Robotnik, une version de l'univers de Sonic sur la version sur les ver sur ben, les versions occidentales? Pourquoi justement on a ça et pas la version d'origine de Puyo Puyo? Alors, en fait, je pense que les filles et moi, on en avait pensé tout simplement que l'entreprise Compile a dû se dire, ah, les joueurs occidentaux risquent pas d'être attirés par l'univers de Puyo Puyo, parce que l'univers de Puyo Puyo, en fait, c'est vous incarnez une fille, une espèce de guerrière qui se passe à l'époque de la mythologie, de l'antiquité grecque, de la mythologie grecque, et à chaque fois, vous allez affronter divers adversaires, il y a le Minotaure, la sorcière, un lutin, bref, des petits démons, bref, c'est un petit peu spécial, et quand on voit bien l'animation qu'on peut facilement voir sur YouTube et compagnie, il n'était pas sûr que le public occidental puisse forcément adhérer à ça.
Alors du coup, l'entreprise Compile a demandé à Sega de pouvoir adapter par rapport aux aventures de Sonic, notamment la toute première série Sonic qui est apparue, donc la version américaine. Oui, voilà, la version américaine, puisqu'on aura eu en fait plusieurs séries de Sonic qui sortiront. Donc les aventures de Sonic, le hérisson, hein, qui était avec le fameux Sonic va vous causer, Tails qui marquait ça, et puis après Sonic il arrivait en disant Sonic va vous parler. Vous voyez, c'est ces espèces d'épisodes qui duraient une vingtaine de minutes et auxquels on avait toujours un petit message de moralité à la fin pour le très très jeune public. C'était vraiment la toute première série qui avait commencé à apparaître par rapport au Hérisson Bleu, hein. Et avec le fameux Dr. Robotnik dans la version originale qui fait NO! Voilà, je l'ai très très mal fait, mais c'est pas grave, hein. Et résultat, c'est là qu'on aura... bon, il y aura eu la série Sonic et Sally, il y aura eu Sonic le Rebelle, il y aura eu Sonic X, bref. Là, Dr. Robotnik Man-Man Machine se base sur la toute première série de Sonic. D'ailleurs, on le voit sur cet écran, le Dr. Robotnik, son design, comment il était, vraiment le design d'origine, avec ses deux acolytes de l'époque. Donc, du moins ces deux acolytes, il y en a trois. Seulement le troisième n'est pas visible actuellement sur l'écran. Donc là, on a Grounder qui est en fait le plus petit des deux, et Scratch qui est en fait le robot coq, hein, donc le robot poulet ou coq, ce que vous voulez, hein. It's a chicken! Non, en fait, c'est suite à un délire par rapport à un vieux dessin animé auquel justement il y avait un personnage qui était... en fait, c'est un vieux délire tiré d'un dessin animé américain auquel on voyait justement un poulet qui se prenait pour un humain. Alors il y avait certains humains qui disaient putain mais je vous dis que c'est un poulet et tout, et alors que d'autres disaient mais non c'est pas un poulet c'est un humain. Et puis à la fin le poulet était pratiquement découvert et les autres ils étaient en train de se dire non mais c'est pas possible. Hein, un exemple flagrant c'était la fille qui avait une fille qui voulait présenter son petit ami à ses parents. Le père avait vite constaté que c'était un poulet mais la fille elle disait non c'est pas vrai c'est pas un poulet. C'est mon petit ami. Bref, voilà, c'est un peu dans ce délire-là que j'ai voulu sortir ça. Donc, après avoir vu cette fameuse intro, alors bien entendu, là, on a une intro qui est tout à fait, ouais, assez courte, hein, dans l'ensemble. Allez, hop, on appuie sur Start. Donc, il faut savoir que nous sommes sur Game Gear. Donc, que ce soit Master System ou Game Gear, nous allons avoir une manette à deux boutons, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on a exactement au niveau des modes de jeu que le jeu nous propose? Déjà, nous avons un mode histoire. Donc le mode histoire qui tout simplement bah, auquel vous allez affronter une série de plusieurs adversaires tirés de l'univers de Sonic. D'ailleurs, il faut savoir que chaque adversaire que vous allez affronter dans le jeu, ils apparaissent tous dans le premier épisode des aventures de Sonic. Donc c'est pour ça que Compile s'en est adapté pour pouvoir adapter justement le Dr. Robotnik Madman Machine. Alors bien entendu, je précise aussi que par rapport à la version Mega Drive du titre, certaines musiques de Puyo Puyo ont été reprises pour la version Madman Machine. Par exemple, ceux qui ont joué à Puyo Puyo au premier du nom, le thème de Satan, donc le thème du boss final, eh bien on le retrouve dans le mode deux joueurs sur la version Mega Drive. Après, qu'est-ce que l'on a d'autre aussi? Je dirais que la version... La musique de générique de fin, oui, la musique du générique de fin auquel on a le crédit des personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, ben en fait, c'est la même que celui de Puyo Puyo. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas une petite copie mineure. Non, c'est vraiment la même entreprise qui a fait ça. Donc le scénario mode, c'est tout simplement, vous êtes n'importe qui, vous allez sauver les petits pois ou les haricots du fameux Dr. Robotnik et de sa machine qui consiste à transformer les êtres vivants, qui consiste à les robotiser, hein, comme il le fait d'habitude. Donc vous êtes... Sonic n'est jamais mentionné dans le jeu. D'ailleurs, il n'y a que seul le Dr. Robotnik et ses robots qui sont mentionnés. Jamais Sonic ne le sera. On ne verra même pas Tails et encore moins Knuckles, hein. Et bon, Knuckles, il apparaissait pas dans la série à ce moment-là, hein. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu... C'est le mode un joueur auquel vous allez affronter 13 adversaires. Donc 12 robots plus le Dr. Robotnik en 13e. Ensuite, le Gear to Gear mode, c'est tout simplement le mode de joueur. Alors, la différence qu'il y a entre ça, c'est tout simplement, entre la version Master System et Game Gear, c'est tout simplement le titre du mode qui change, hein. Parce que dans la version Master System, vous aviez One Player versus Two Player mode. Voilà. Alors pour le Gear to Gear, je pense très sincèrement que c'est relié deux Game Gear par rapport à un fil et que chacun des joueurs devait avoir automatiquement la cartouche du jeu, chacun de leur côté, pour pouvoir profiter pleinement du mode duel, hein.
Mais bon, si je devais vous proposer une version qui pourrait éventuellement vous intéresser si vous voulez vraiment faire la version 8 bits, je pense que je vous conseillerais la version Master System. Hein. Voilà, parce que sinon, vous allez réellement investir une Game Gear, deux Game Gear avec un fil et deux cartouches du même jeu. Voilà, si même toi, K, tu le dis, alors voilà, c'est une preuve assez flagrante, hein. Ensuite, le exercise mode, en fait c'est le mode entraînement, c'est-à-dire tout simplement que vous allez jouer jusqu'à ce que vous perdiez tout seul. Hein. Et en fait le but, bon c'est s'entraîner certes, c'est aussi faire le meilleur score, vous la péter en disant t'as vu j'en ai une plus grosse en ayant fait ce gros score. Alors voilà, alors bien entendu dans le exercise mode, vous avez la possibilité de choisir entre 3 niveaux de difficulté, alors que la version Mega Drive en proposait 5. C'est-à-dire, bon, la version Game Gear, la version 8 bits, c'est facile, normal et difficile. Plus vous allez vers le difficile, plus bah, la vitesse de défilement des combinaisons des pièces bah, va aller de plus en plus vite, hein, et vous allez avoir, je crois, plus de 9000 points d'avance. Voilà, tout ça pour dire. Et enfin le puzzle mode qui est accessible aussi sur la version Master System, c'est-à-dire que c'est un mode un petit peu particulier qu'on n'a pas dans la version Mega Drive. C'est le puzzle mode en fait c'est une série de tâches à effectuer, de consignes, de petits exercices à effectuer auxquels le jeu nous demande bon, voilà, faire disparaître tous les petits pois rouges. Par exemple, faire en sorte de... Bah, allez, je vais vous le montrer. Donc, je vais vous le montrer clairement. Donc, le Dr. Robotnik Ben Machine Manuel, donc for robots only, hein. C'est un petit peu ridicule, mais bon, que voulez-vous. Alors, il faut savoir que nous avons la possibilité de commencer la partie, de commencer le mode directement au premier niveau, hein, ou alors de faire un continue, parce que entre chaque niveau, entre chaque leçon, vous allez avoir un mot de passe. Donc, on va commencer la partie, je vais vous le présenter. Donc là, la première leçon consistera tout simplement à éliminer tous les petits pois rouges. Donc voilà, on a automatiquement des pièces qui vont s'afficher, on nous montre un terrain, et le but sera, hop, hop, on fait ça. Et voilà, j'ai terminé pratiquement la première mission. Donc vous avez des conditions de victoire à effectuer. Et après, par la suite, eh bien, vous devez faire en sorte de réussir jusqu'à ce que, ben, jusqu'à ce que vous réussissiez ou que vous abandonniez. Parce que oui, il y a la possibilité aussi de pouvoir arrêter le mode de jeu et de revenir à l'écran titre du jeu en lui-même. Donc 10 bins en même temps. Voilà. Alors, on va faire ça, on va faire simple. Voilà, donc éliminer 10 bins en même temps, voilà j'en ai éliminé 10 et j'ai rempli la condition. Vous voyez donc c'est vraiment des petites missions qui sont plus ou moins rapides, faciles à faire suivant la difficulté en question. Et il y en a pour une trentaine de missions en tout. Donc là on a le deuxième mot de passe, donc les astuces vous les aurez vous aurez sur le site Segamag dans la version Game Gear ou Master System quand je les aurai tous terminés. Hein, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, ben, c'est toujours pas le cas. Hein. Hop, voilà, hop, alors on va quitter le mode en question, voilà, quitter, et voilà. Et on va commencer directement avec le scénario mode et les critères habituels. Donc n'oubliez pas le puzzle mode, c'est un petit mode bien sympa qui n'est pas réellement obligatoire de faire. Vous avez 30 missions, 30 leçons à effectuer, et en plus de l'exercice ou du scénario mode, voilà. Donc on va commencer avec les critères habituels. Alors qu'est-ce que l'on peut dire exactement pour cette version 8 bits? Eh bien tout simplement que je dirais que pour une console 8 bits, je trouve que le jeu s'en sort plutôt pas trop mal. Déjà rien qu'au niveau des visages, au niveau de l'animation, je trouve que c'est quand même un très très bon point. Puisque l'important en fait dans ce type de jeu, c'est la vitesse d'animation au fait du jeu en lui-même. C'est-à-dire tout simplement, est-ce que le jeu sera rapide? Est-ce qu'il sera lent? Est-ce qu'il sera mou comme pas permis? Est-ce qu'on va profiter pleinement du jeu en question? Là, eh bien je vous répondrai que déjà, on n'a aucun ralentissement durant toute la partie. Hein. Ça, pour avoir fini le jeu en question, il est façon il est impossible d'avoir un seul ralentissement dans tout le jeu parce que imaginez il faut j'ose même pas imaginer si un jour si le jeu était assez lent, je crois que le plaisir du jeu en serait largement réduit. Hein. Donc toujours est-il qu'au niveau de son animation, et on a très très peu d'animation au niveau des personnages en eux-mêmes, seule l'animation au niveau de défilement, de vitesse de défilement des pièces à effectuer sera importante. Hein.
Voilà, donc on avait des fois des petites animations assez bien sympas, notamment quand la version Mega Drive auquel il suffisait, on avait une petite animation en faisant Youpi! Une petite boule qui s'envoyait directement chez l'adversaire. Et quand c'était l'adversaire qui l'envoyait, c'était Hi-ha! Oui, je le fais toujours aussi mal et je l'assume complètement, hein. Donc voilà, au niveau graphisme, on peut dire que le jeu s'en sort plutôt bien pour une console 8 bits, hein. La vitesse, la fluidité est quand même présente du début jusqu'à la fin, hein. On n'a vraiment aucun souci là-dessus. Bien entendu, plus vous arrivez, un point que je tiens quand même à préciser, c'est que plus vous battez votre adversaire rapidement, ben plus vous gagnez de points, bien entendu, hein. Donc chaque fois que vous battez un adversaire, vous avez un mot de passe qui va s'afficher et après vous pourrez reprendre la partie quand vous voulez, hein. Alors bien entendu, comme vous avez pu le remarquer, j'avais oublié de le préciser, il n'y a pas d'option pour paramétrer les commandes en question. C'est-à-dire on ne peut pas choisir son niveau de difficulté, on ne peut pas écouter les musiques du jeu et on ne peut pas savoir quelles sont les commandes, si on peut les changer ou pas. Mais comme on est sur une console avec une manette à deux boutons, eh bien ce ne sera pas réellement important, puisque au niveau des commandes, le bouton A servira à faire dérouler des pièces dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc à partir de la gauche, tandis que le bouton B fera apparaître pratiquement à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors que sur la version Mega Drive, il y avait deux boutons qui étaient, je crois, en sens inverse. Et en sens inverse, et un bouton qui était dans le sens normal. Donc graphiquement, le jeu s'en porte plutôt pas trop mal, hein. On voit que c'est très bien représenté pour des consoles, pour les capacités techniques des consoles en question. C'est un vrai régal de se dire, tiens, c'est sympa. Déjà, rien que la petite animation qu'on a eue à l'écran d'introduction du jeu, bah, ça nous montrait clairement que la Game Gear elle en avait quand même sous le capot, hein. Malgré sa réputation comme quoi sa réputation de faible endurance, de console très très faible au niveau de l'endurance, hein. Donc voilà, au niveau graphisme, ça c'est bon, ça je l'avais signalé, donc on n'a vraiment aucun souci là-dessus à constater, hein. L'animation est quand même bonne et la rapidité reste présente du début jusqu'à la fin, hein. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut constater au niveau du gameplay? Alors, comme vous avez pu le constater au niveau du gameplay, bah, c'est tout simplement une espèce de Tetris-like. Comme vous avez vu, en fait, je fais disparaître des haricots dans le seul et unique but de pouvoir après, par la suite, directement chez mon adversaire. Alors, bien entendu, la première combinaison de haricots qui disparaîtra, bah, elle n'enverra pas de pierre chez l'adversaire. Il faut effectuer à partir de la seconde. Là, par exemple, j'ai fait disparaître les haricots ou les petits pois de couleur violette avant de faire disparaître les hauts jaunes. Ou je sais plus, bref, parce que je suis un petit peu concentré sur la partie aussi, hein. C'est pour ça. Donc au niveau du gameplay, alors comme voilà, comme je l'avais signalé, donc le bouton A, ça fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que le bouton B, bah, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus vous allez avancer dans le jeu en question, plus la vitesse de défilement va s'accélérer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir agir très très vite. Donc c'est pour ça. C'est une espèce. Les premiers niveaux, c'est un peu presque un niveau d'entraînement en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner dès le départ. Alors. Il est vrai que vous allez énormément peiner au départ parce que vous allez vous dire ouais mais je comprends rien au jeu en lui-même, c'est nul ou quoi. Non, c'est pas nul, c'est juste que vous ne comprenez pas le système du jeu en lui-même et une fois que vous l'avez compris, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Parce que mine de rien, Man Ben Machine, c'est un système de jeu qui s'avérera quand même être assez addictif. C'est-à-dire tout simplement, voilà, le système est simple, on a fini le jeu, et puis finalement on a envie de revenir en arrière pour s'améliorer, pour pouvoir aller plus vite et pour pouvoir s'entraîner face à des adversaires humains si un jour il y a des compétitions. Parce que les filles et moi, on avait estimé que Puyo Puyo, ou du moins son système de jeu, Puyo Puyo, Man Ben Machine, serait parfait pour des compétitions au même titre que les Bomberman par exemple. Et donc voilà, pour à chaque fois des petits tournois, à chaque fois deux joueurs qui s'affrontent jusqu'à affronter les deux derniers et trouver finalement le champion de Puyo Puyo ou de Man Ben Machine. Donc je trouve que le système de Man Ben Machine est quand même le système en lui-même, le gameplay est quand même assez intéressant pour des tournois, donc c'est pour ça.
Ensuite, au niveau en fait de sa bande son, qu'est-ce que l'on peut dire exactement? Alors au niveau de sa bande son, bien que j'avais oublié de préciser que dans le gameplay, voilà, on n'a aucun problème avec les touches, ça c'est un point aussi à préciser, hein. Alors pour revenir au système de la bande son, eh bien comme dans la version d'origine, on va avoir la même musique qui sera la même pour les 8 premiers niveaux, les 8 premiers adversaires, tandis qu'à partir du niveau 9, que ça soit Puyo Puyo ou Man Machine, ben, la musique commencera à changer. Et après, voilà, c'est tout. Suivant les versions, on a des musiques qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Alors, je dirais que la version Man Man Machine est assez intéressante en elle-même, puisqu'elle possède les musiques de Puyo Puyo, premier du nom, dans certains modes de jeu, hein. Donc, c'est pour ça. Alors après, les musiques ne sont pas désagréables, elles ne cassent pas réellement les oreilles, pour ainsi dire. C'est surtout très sympa à écouter, on a un petit plaisir. Moi, personnellement, j'avoue beaucoup aimer la musique du Dr. Robotnik quand je l'affronte à la fin, en plus de ceux du niveau 9 en question, hein, c'est pour ça. Hop, voilà, bon, bah, j'ai loupé cette combinaison, c'est pas grave, je voulais faire autre chose et j'ai foiré comme une quiche. Ensuite, donc au niveau des... Voilà, on n'aura pas vraiment de bruit... On aura des bruitages en plus de la musique. On n'aura pas de paroles dans cette version-là. Alors que dans la version Mega Drive, on pouvait la voir notamment avec le Dr. Robotnik quand il se met à rigoler ou quand il perd exactement, hein. Donc voilà, c'est pour ça que pour cette version 8 bits, eh ben, on aura juste des bruitages avec... qui disparaissent comme ça au fur et à mesure, hein. Voilà, bon, j'ai encore foiré une combinaison, mais c'est pas grave, hein. Hop, on va les refaire apparaître le jaune. Alors, je vous avoue quand même que c'est un petit peu difficile de pouvoir parler en même temps que de vous expliquer le jeu, parce qu'il faut savoir bien se concentrer pour pas se viander comme une quiche. Voilà. Et hop, c'est parfait. C'est bon, j'ai battu le troisième adversaire. Et là, la vitesse du jeu va se dérouler un petit peu plus vite. Hop, voilà. Stage 3, troisième adversaire vaincu. Donc, bien entendu, si vous dépassez les 120 secondes de jeu, bah, vous ne récupérez aucun bonus. C'est pour ça qu'il faut jouer très très vite. Donc voilà, au niveau de ça, au niveau des bruitages, ça je l'avais mentionné, les musiques sont agréables, bon elles sont toujours à peu près les mêmes. Les quatre premières, la première musique du jeu quand on commence une partie est la même, sauf qu'à partir du niveau 5 jusqu'au niveau 8, elle va s'accélérer. Et puis à partir du niveau 9 jusqu'au niveau 12, et ben, ce sera une autre musique. Et après on aura le thème du Dr. Robotnik dans cette version-là, 13e adversaire, donc au stage numéro 13. Alors après, que dire exactement au niveau de sa durée de vie, puisque comme vous l'avez tous vu, vous le voyez à chaque fois quand dès qu'on bat un adversaire, on devine directement le nombre d'adversaires qui nous restent et celui qu'on va affronter directement. Alors cet adversaire là est un petit peu particulier puisqu'il apparaît aussi dans la série Sonic le Hérisson, bien qu'il apparaît aussi comme dans les comics Archie, donc là une série de comics qui édite les aventures de Sonic le Hérisson, une série que je vous conseille beaucoup puisqu'on retrouve Grounder, Scratch et Coconuts en plus de Robotnik et compagnie. Donc Coconuts lui qui apparaît en fait dans la dessin animé de Sonic et Sally, qui fera partie des trois adversaires, des trois robots hommes de main de Robotnik en question. Hein. Bon, ben, j'ai un peu foiré. C'est pas bien. J'ai foiré, je sais plus ce que je voulais faire exactement. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc Coconut qui sera le quatrième adversaire, tandis que le huitième ce sera Scratch, Grounder, et après notre douzième adversaire, ben, ce sera Grounder, hein, le poulet. Alors voilà, au niveau de sa durée de vie, on peut dire que nous avons un mode 1 joueur auquel nous allons affronter que 13 adversaires d'affilée. Bon, avec un mot de passe disponible à chaque fois, donc après, malheureusement, on ne pourra pas choisir son niveau de difficulté. Un mode entraînement pour le mode 1 joueur, qui est quand même pas déplaisant, hein, pour ainsi dire. Ensuite, le mode puzzle mode pour pouvoir justement après... pour pouvoir après faire travailler un peu plus les méninges pour quand on va jouer au jeu en lui-même. Merde, loupé. Alors voilà, pour une version Game Gear, je trouve que la version Game Gear s'en sort, la version 8 bits s'en sort plutôt pas trop mal. Alors il est vrai qu'on aurait tendance à privilégier la version Mega Drive, mais en fait c'est tout simplement parce que bon voilà, si vous n'avez pas une Mega Drive et que vous voulez avoir et que vous avez une Game Gear ou une Master System, Dr. Robotnik Man Man Machine fait partie de ces jeux qui méritent de faire partie de votre ludothèque, hein, parce que voilà, on n'en a pas beaucoup.
beaucoup de jeux, notamment au niveau en Europe, de ce type de jeu en question. Et je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir dans sa ludothèque Game Gear ou Master System, parce que voilà, c'est le genre de jeu auquel, oui, on n'a pas, on peut pas choisir niveau de difficulté. On joue, on affronte des adversaires, la difficulté est croissante, certes, c'est sympa. Mais voilà, on a un mode de pour s'entraîner, on a un puzzle mode, bon, je sais, je me répète. Mais voilà, pour une version 8 bits, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors les filles, même si vous n'êtes pas apparues pas beaucoup de fois dans cette vidéo, ben, je vais vous laisser donner la note de Ben Machine sur Game Gear. Alors quelle note vous allez éventuellement lui donner? Quinze sur 20? D'accord. Donc 15 sur 20, c'est la note qui a été donnée à Dr. Robotnik, Ben Machine, sorti sur Game Gear et Master System, en plus d'un Mega Drive, en 94. Et de ce fait, Lémis et moi, on vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut!